Vaut mieux prévenir que guérir, a-t-on coutume de dire, d'où l'objet de ce déplacement du gouverneur de la région de Dosso, M. Al-Bashir Aboubakar, dans la commune rurale de Guéchémé, département de Tibiri, où des risques de conflits intercommunautaires liés aux fonciers se font sentir. En effet, M. Al-Bashir Aboubakar s'est d'abord rendu sur les sites exposés à tous les risques de dégâts, car ne sont pas clôturés depuis des années, même s'ils font la fierté des exploitants, pour constater et envisager des solutions qui ne peuvent être autres que de les clôturer avant de présider une rencontre avec les différents leaders communautaires. À l'issue de cette rencontre, il tire ici un bilan satisfaisant. Il s'agit d'instaurer un dialogue intercommunautaire donc entre les maraîchers exploitants du Dalol et les éleveurs. Franchement, je suis très satisfait des résultats auxquels nous sommes parvenus. Et nous avons constaté qu'il y a une insuffisance dans la compréhension du code rural. C'est pourquoi nous allons très rapidement identifier un partenaire qui va nous accompagner dans la vulgarisation de ce code rural dans tous les départements de Sibérie. Nous sommes dans une situation où on doit éviter des conflits internes entre nos communautés. Nous faisons déjà face à certaines incursions des terroristes. Donc pour consolider la paix au sein de nos communautés, vraiment on doit éviter des petits problèmes comme ça. Notons qu'à l'entame de cette rencontre, le maire de Guéchémé et le préfet du département de Tibiri, dans leurs mots introductifs, ont salué cette initiative du gouverneur Al-Bashir Aboubakar et pour la façon prompte par laquelle il a répondu à cette sollicitation. Quant aux honorables chefs de canton de Guéchémé, à qui d'ailleurs il a rendu une visite de courtoisie, et le chef de groupement Pel de Takassaba, ils ont rassuré le gouverneur que désormais, ces deux communautés seront toujours en parfaite symbiose avec tous les liens de cousinage que les ont légués leurs grands-parents. Le président du conseil régional de Dosso a aussi pris la parole pour rappeler les différents efforts que déploient les plus hautes autorités de notre pays pour la consolidation de la paix et de la quiétude sociale sur toute l'étendue du territoire national.